Bonjour à tous. Alors, me connaissant, ça m'aurait étonné que je fasse pas cette vidéo sur pourquoi je parle français. Bah ouais, nous on comprend rien. Ah ouais, le français moyen, pas doué en langues étrangères. On sait pourquoi, hein. Vous savez, c'est pas par bêtise, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que le français, c'est une langue plate. Il ne fait pas beaucoup d'oscillations, d'intonation et d'accentuation, beaucoup, énormément, à part des points d'interrogation et d'exclamation et encore d'exclamation. Faut le dire, hein. Entre une interrogation, une exclamation et une affirmation. Le français, c'est léger, on va dire, léger. Pourquoi le français? Le français est ma langue maternelle à la base. Je me décris comme allophone. Oui, allophone, parce que je pouvais maîtriser d'autres langues encore à l'époque où j'ai appris le français. Donc allophone. Pourquoi le français? Parce que j'ai pas appris à parler de soi dans une autre langue que le français. Non. Vraiment. D'autres fois, oui. D'autres fois que la mienne. Ma chrétienté, c'est le français que je viens d'utiliser. Vous savez bien. Si ce n'était pas le cas, maintenant vous le savez. Hein. C'est ça que je veux dire en fait. Quand vous avez dit pourquoi le français. Ma foi chrétienne, je l'ai apprise en français. Donc, tout ce qui est latin, grec, hébreu, j'aime bien, mais ça reste de la traduction que maintenant, au 21e siècle. Et donc, pour ça, j'écoute du métal bourra à côté parce que je suis. C'est mon quotidien que j'aime partager avec vous. Et je vous ai plongé dans un monde complètement un peu différent, un peu spirituel, un peu mystique, un peu magique, un peu intemporel en fait. Et toutes ces expressions que j'utilise là aujourd'hui, dans les langues étrangères, je peux tout à fait les utiliser, mais ça ne fera pas un ton naturel, parce que je suis quelqu'un de communicatif et de sociable, et donc je n'hésite pas à me mêler à la plupart des gens, et pas que les érudits, même les gens de niveau moyen d'études, ou niveau inférieur, au niveau supérieur d'université. Donc j'utilise un langage courant la plupart du temps. Et donc vraiment les termes techniques, je les utilise en français parce que je vis ici et que je fais mes études ici. Voilà. Et j'ai toujours vécu ici, je suis né ici aussi. Donc voilà pourquoi. Mais la question se pose quand même, pourquoi le français si je passe d'une langue à l'autre sans problème en fait? Tout simplement parce que c'est la langue d'étude. Et qu'en plus de ce que j'ai déjà dit, en plus d'être la langue de ma foi, en plus d'être la langue d'étude, en plus d'être la langue maternelle, en plus d'être la langue officielle dans l'état dans lequel je suis né et je vis toujours aujourd'hui, en plus c'est une langue connue des Arabes, connue de la communauté juive énormément. Et donc les Anglais, pensez pas qu'ils parlent pas français. Mais bon, hein, c'est les Anglais, Crosby, on l'appelle. C'est pas très gentil, mais bon, Walter de Station, c'est pas gentil non plus. Et Trafalgar Square, non plus, c'est pas très gentil pour les Français. Mais après, cette chaîne est plutôt suivie aux États-Unis, donc j'ai pas vu d'anglais s'y connecter justement, hein, parce qu'ils savent parler français. Et moi, je suis international, moi, tous ces conflits d'héritage, de colonisation de territoire, l'argent. Je crois avoir été assez clair sur ce sujet-là avec les internautes, que tout ça c'est une histoire d'argent et que la couleur de tout ça. Vous y avez cru, hein? Non, sérieusement. Sérieusement, je suis content de votre travail. C'est pour vous encourager. Et pourquoi le français? C'est parce que c'est pas la question que se poser, mais moi je me serais posé la question.